commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi. Quel ciné, bienvenue dans les Appalaches. Là, une petite vidéo rapide, on va visiter Nuka World. Donc oui, Nuka World, donc c'est un parc qui a été ajouté en fait dans les Appalaches, à notre plus grand bonheur. Bon, tout n'est pas fini, hein. Le parc il est un tout petit peu dangereux, un tout petit peu, on va voir ça. Donc attention, c'est du spoil. Dans ce parc, il y a 3 events. Donc on verra ça plus tard, parce que là, les events, c'est un petit peu plus long. Là, on va vraiment faire de la visite. Il y a des trucs qu'on peut utiliser. Les photos que je vous ai montrées, justement, sur la vidéo d'avant, voilà. Il y a certains trucs qui vont y être, et on va voir ça ensemble, tranquillement. Je vais vous faire voir vite fait où se trouve Nuka World sur la map. Et j'ai plus qu'à une chose à vous dire. Bienvenue à Nuka World, un endroit magique où l'on peut rêver, un endroit magique où on peut tomber malade, où on peut se blesser, un endroit magique avec aucune surveillance et un endroit magique pour les maladies. Si tu veux avoir une maladie, viens au kebab de Nuka World. Allez, on va visiter. Donc on va voir sur la map vite fait. Donc là au niveau des terres noires, donc voilà, il y a la petite Nuka World One Tour. Événement Most Wanted. Donc là encore un événement. Donc 3 nouveaux événements qui va y avoir dans le parc. Donc voilà la petite canette qui est là. Allez c'est parti, rentrons dans le monde de Nuka. Donc là vous allez reconnaître des affiches. Donc ça on avait vu ça ensemble. Donc voilà, donc toutes ces affiches là seront disponibles. Nous on avait vu celle-là, la Nuka Dark. Rentrons dans le parc. Donc voici l'entrée avec des rats kebabs. Donc oui, des kebabs radioactifs. Ah. Donc les poubelles là, les poubelles, donc je vous ai pas montré, mais les poubelles seront disponibles évidemment. Vous allez pouvoir avoir les plans. Je pense que on va avoir un petit problème, hein, c'est qu'il va vraiment falloir qu'ils mettent ça dans une catégorie à part, parce qu'il y a énormément de contenu. On va commencer sur la droite, Nuka Launcher, donc un grand 8. Donc attention, ce n'est pas accessible à tout le monde, hein, il faut avoir la taille adéquate. Une fois dans votre grand 8, attention, accrochez-vous à vos slips, parce que oui, ça va secouer. Vous avez tout sur place pour manger et boire. Donc là, c'est ce qu'on avait vu, là, les petites cabanes. Donc voilà, hein, en gros, ça ressemble à ça. Voilà, avec la petite porte. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a aussi ceci, les grandes canettes, là. Donc ça, c'est pareil. Ça, on avait vu ça ensemble. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ouais, donc là, ils ont réussi à caser un frigo. C'est assez petit. On continue notre visite. Sur votre droite, vous avez la roue. Donc là, on va y aller plus tard. Là, on va continuer notre chemin. Donc voilà, on arrive à l'attraction Sealed West Showdown. Donc là, en fait, ce panneau-là, on peut l'avoir aussi, hein, comme on avait vu, avec les faux panneaux. Les faux panneaux pour créer un monde de western. Là, on va voir vite fait, c'est les grands panneaux. Donc voilà un monde de western. Donc là, une petite ville avec le manège. Donc voilà, ils ont recréé une ville. Vous avez le saloon. Le saloon avec des pancartes pour créer des personnages avec les grosses moustaches et un cow-boy. Donc là on a fini le village en gros, hein, de cow-boy. Voilà, donc là il y a un event ici, donc il va falloir parler à ce personnage Gunter pour lancer l'event quand c'est affiché. Allez, on va continuer sur la gauche. On va à Nuka CAD. Ce qu'on a vu la dernière fois, vous allez voir, ça va répondre aux questions.
Donc là, trading, c'est marqué en gros. Donc on a accès donc à nos coffres. Et ouais, armure assistée, bah voilà, pour la mitraille légendaire. Notre coffre à nous, avec des ateliers. Ouais, y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Hein. Donc ici, vous allez pouvoir dépenser votre argent. Donc ça, voilà, on avait vu ça ensemble. Vous tapez le plus fort et ça vous dit ce que vous êtes. Un behemoth, un mutant ou voilà, un rat de roche. Ici, c'est simple. Donc là, vous avez des trucs qui sortent et il va falloir taper dessus. Ça, c'est des jeux que vous pouvez avoir bah, chez vous. Donc allez, on va mettre une petite pièce. Et là, attention. Et là, le but, c'est d'être le plus rapide possible. Ou sinon, évidemment, vous pouvez prendre une gatling et, ou une grenade. Enfin bref, vous avez compris le délire. Mais qu'est-ce qu'il a dans les mains? Donc voilà, une super arme. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, ça fait partie le tunnel de l'amour. On verra ça tout à l'heure. Avec les petits cœurs. Sympa. Donc on a le Burning Love. Donc un arc. Assez design. Assez design. On a la batte. La batte est assez stylée quand même, je trouve. Je trouve qu'elle est quand même très stylée. Et j'ai réussi à voir que ceci. Voilà, pour l'instant. Donc à voir s'il y a d'autres armes. Et il me semble que c'est marqué Nuka dessus. C'est ça, tout en haut là, c'est marqué Nuka Cola. Donc voilà, on va continuer. On a le Nuka Zapper Race. Donc ça, souvenez-vous, on avait vu ensemble ce fameux stand. Et bah tout simplement, c'est un jeu. Vous mettez votre pièce. Et il faut taper sur la cible à maximum. Alors j'ai plus de munitions. Pour monter le plus vite possible. Avec ceci, on a le Bandit Roundup. Donc là, en fait, pareil, vous mettez votre pièce. Vous avez des cibles qui vont arriver. Et il va falloir les viser. Voilà, tout simplement. Donc nous, Bruno. Bonjour à toi, Bruno. Donc voilà, pour le Nukacade, vous avez voilà des petits jeux pour dépenser votre argent. Donc voilà, vous avez quand même un parc assez complet. Vous avez voilà des boutiques un petit peu partout. Alors oui, bah là je suis en mode solo et il n'y a pas grand monde. Salut Pete. Donc vous avez des nouveaux PNJ qui font leur apparition pour ce fameux parc. Donc voilà, vous avez des petites activités dans ce parc. Alors pour l'instant, voilà, on est bien d'accord que c'est sur un PTS, c'est en serveur test. Est-ce qu'il y aura des améliorations? Peut-être, je ne sais pas du tout. Donc là, vous avez sur ce panneau plein de ballons d'accrocher à la base. Le but est d'éclater les ballons. Vous avez droit de prendre la grenade. Les toilettes publiques, et évidemment pour les envies pressantes, hein, le but c'est pas de se faire dessus. La partie photo, donc voilà, vous pouvez mettre votre tête dedans pour faire la pose et faire une photo avec les mascottes de Nuka Cola. Maintenant, on va rentrer sous le chapiteau, qui, alors le chapiteau sera disponible en plan aussi. Donc là, ici, vous allez reconnaître pas mal de choses qu'on a vues, donc que ce soit les estrades, les arceaux, l'espèce de petit support, voilà, ça... Voilà, nous avons vu ça aussi. Le ballon. Bah ça fait un petit moment déjà que c'était disponible. C'est pas tout le temps dans la boutique. Donc voilà, il y a un event sous ce chapiteau aussi. Avec plein de monstres qui pop. Et il faut protéger absolument. C'est les statues à l'entrée. Il y a 3 statues dans le parc. Comme ceci, il faut les protéger. Et maintenant, pour finir la visite, nous allons passer au tunnel de l'amour. Bienvenue au tunnel de l'amour.
si ta conjointe te saoule, t'énerve, t'agace, te rend dingue, amène-la au tunnel de l'amour pour t'en débarrasser. Nous voici au tunnel de l'amour, où tout est rose, tout est cœur, tout est... trop rose. Beaucoup trop. Donc voilà, donc vous avez évidemment tous les endroits pour le staff, etc., pour les réparations. Donc là, c'est dommage, je n'ai pas accès justement à ce signe, ah, le fameux signe avec du nuca dans la bouche. Non, on ne peut pas monter dedans et faire la visite comme ça. C'est vraiment dommage. Le fameux ticket, Mr. Lovely. Salut à toi, Playboy. Donc voilà pour le tunnel de l'amour. Donc la porte s'ouvre et vous avez un petit parcours derrière. Faites une belle surprise à votre conjointe. Si vous voulez vous en débarrasser, vous parlez à Lovely qui est à l'accueil. Vous dites que vous venez de ma part et vous donnez le code RALBOL. Vous allez avoir quand même moins 50%. Après, vous avez plusieurs forfaits. Le forfait souffrance ou non souffrance. Ça, c'est à vous de voir. Évidemment, vous avez le droit d'emmener votre belle-mère. Calciné, voilà, on a fait un petit peu le tour de Nuka World. Donc on a visité le parc d'attractions. Un petit parc d'attractions super sympa, avec des petites activités, 3 events dessus. Alors c'est des events où, comme d'habitude, hein, il faut tuer du monstre ou protéger, etc. Mais voilà, 3 events dans le parc. Dites-moi ce que vous pensez de Nuka World, ce nouveau secteur hein, qui a été intégré dans les Appalaches. Après, attention, c'est du PTS, hein, je le répète, donc je ne sais pas si ça va être modifié, agrandi, rétréci. Logiquement, non. Hein, c'est bien parti pour. Les devs, encore hier, ils ont vraiment pas parlé de modification. Hein, ça avait l'air d'être vraiment en bonne voie. Donc voilà, Nuka World. Eh ben écoutez, moi je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous. On se retrouve très très vite, on fera les events. En attendant, moi je vous dis ciao ciao.